Vous le savez, les grands électeurs sont donc appelés à élire les sénateurs demain sur l'ensemble du territoire national, à Lambaréné, dans le premier arrondissement. Rose Francine Rogombé, candidate à sa propre succession, a fait le bilan de son mandat qui s'achève. Un reportage de Guy Roger Lendira, Tex à Kigassa. C'est dans une salle où avaient pris place les grands électeurs, les notables et les chefs de quartier que s'est déroulée cette cérémonie. Au début de la cérémonie, une minute de silence a été demandée à la suite du décès de M. Jacques Rogombé. Pendant plusieurs dizaines de minutes, ils suivront un film bilan rappelant les grandes étapes de la troisième législature qui s'achève tant au niveau national, avec l'élection pour la première fois d'une femme au prestigieux poste de président du Sénat, la transition intérimaire assurée par Mme Rose Francine Rogombé à sa qualité de président de la haute chambre du Parlement, ainsi que le travail parlementaire qui a permis aux vénérables sénateurs d'examiner et de voter plusieurs lois d'importance, notamment celle sur la décentralisation. Un film bilan qui va rappeler l'engagement de tout temps de Mme Rose Francine Rogombé pour le développement de l'Ambaréné et de la province du Moyen-Ogoué et pour le bien-être de plusieurs couches de la population de cette province. Va suivre un échange au cours duquel le suppléant sortant reviendra sur les qualités exceptionnelles de la sénatrice du premier arrondissement de l'Ambaréné, une femme de cœur, une femme de conviction. Il lancera un appel aux grands électeurs dont il est membre pour accompagner Mme Rose Francine Rogombé afin qu'elle puisse poursuivre son ambitieux programme de développement qui rentre dans le cadre du PSGE, le plan stratégique Gabon émergent défini par le président de la République Ali Bongo Ondimba, président du Parti démocratique gabonais. Robert Ndong, le nouveau suppléant, a dit être à une grande école et il compte apprendre aux côtés de Mme Rose Francine Rogombé. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une grande marque de confiance, dira-t-il.